Ok, Gir, Danny, Sani, Chest Up, The Jet 5. Toutes les semaines, tous les jours. Tous les jours. Demain, vous allez travailler autour d'un film, d'un thème. En fait, ce soir, on a un film à présenter, on a deux films à présenter. En fait, c'est tenir le micro quand on va poser des questions. C'est mon temps mieux, je pense que c'est. Mais c'est pas qu'il y a une interview alors. C'est comment ça se passe là. Ben voilà, c'est pas qu'il pose des questions. Alors, donc, mais ça tourne là, hein. Il n'y a pas de lumière. Sûr. Ah, mais c'est comme ça, c'est du HP. Ah, bon, hop. Ah oui, t'as raison. Ah, ouais, ça se voit bien. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, tu peux regarder maintenant. Alors, vous connaissez tous Bernard Ménard, Ménez, qui va se présenter en fait. Il va me présenter. Oui. Moi, je m'appelle Danny. Dany, d'accord. Voilà. Et Dany, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, moi, j'organise des soirées un peu partout, sur Cannes, à Paris, avec les guitares, voilà. À Paris, où ça? Au Bain Douche. Ah oui, c'est très branché. Voilà, au Baron, un peu partout. Le Baron, réputation... Pas mal. Sulfureuse. Très bonne réputation, mais très sexuelle, quand même. J'ai connu le Baron, moi, il y a très longtemps. Enfin, il y a plusieurs années, mais je sais pas mal d'années que je suis parcouru. Il y a le brasseur qui le fréquente souvent. Il y a pas mal d'artistes de renom, tels que l'acteur qui a joué dans Arsène Lupin. Comment s'appelle-t-il déjà? Guillaume Canet, non? Ah oui, Guillaume, oui, absolument, oui. Il y en a beaucoup. Et Julien Lepers, il y a pas mal de gens. Ah bon, d'accord. C'est des amis. Ça a changé alors, ça a changé de... Du propriétaire. Propriétaire et donc le propriétaire, et maintenant je suis devenu un peu le festival de Cannes tous les ans de Paris, ou bien au festival de Cannes, et je fais des films. Donc moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait on présente un film ce soir qui s'appelle NPG et Black Exploitation You Know What I Mean. C'est un film tourné à Los Angeles par le film indépendant 90-10, 90 pour eux et 10 pour eux, et 10 pour le reste. Donc c'est Karim Abou en fait. Mais il s'était présenté pas dans le film. Compétition officielle, donc... Il n'a pas été compétition officielle justement, pourquoi? Je vous explique en fait. Ah. En gros, c'est que le film demande beaucoup d'argent. C'est du cinéma indépendant. Le studio vient d'être formé à Paris, vient d'être monté à Paris, pardon. Et il sera bientôt... Il n'est pas tourné alors encore? Le film, ça vaut 5 millions de dollars. Donc, il faut 5... Si vous les avez, vous les avez faire sur celui-là. Non, mais moi, pour le moment, mon argent, je le mets dans ma candidature législative. Alors. D'accord. J'espère que vous allez être élu, parce qu'un homme comme vous... Ah ben, ça pourrait changer certaines choses. Ah ben oui, ça pourrait changer certaines choses. Mais non, je peux vous dire, à moi, une petite interview debout. Bon, allons-y, alors. D'accord. Je te donne le micro. On vous a tellement ravagé l'esprit avec... Jolie poupée... Ah, ravagé, non, mais moi, je suis fier de ce... Moi aussi. C'est ma génération. Moi, je peux vous la chanter. Oh, jolie poupée. Ouais, non, mais j'étais quand même numéro 1 devant Michael Jackson à l'époque. Tu me rappelles? Ouais. Tu me rappelles? Et ça a eu la France. Oui, un million. Un million d'albums. Voilà. C'est pas rien, moi j'aimerais bien avoir un million d'auditeurs qui viennent. Je n'étais que interprète, je n'étais pas ni auteur ni compositeur, donc les revenus ont été beaucoup plus raisonnables, d'autant que mon producteur, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour lui, en avait dépensé la moitié dans d'autres productions et il ne pouvait plus me payer. Mais c'est pas grave. Ouais. Mais là. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'humble. De charmant, attends, tu me fais peur là. Non, t'es un mec, je suis pas homo, non. Ah bon, d'accord. Vous avez votre style, vous avez votre élégance. Ouais. Qui est dans le milieu du cinéma français, qui est très rare. On essaye. Moi, je suis très, très, très grand cinéphile et j'adore tous vos films. Et c'est pas de la lèche. En fait. Non, mais je veux dire, pour savoir, pour connaître, quoi, des sur le site. Mmh. Et sur le site internet, on connaîtra ce que je fais. J'y vais aller dès que je rentre. Et il va y avoir d'ailleurs un blog. Il y a un blog qui commence à être en route. Bernard Ménez. Point blog forever, comme on dit, blog4ever.com. Ouais. Ok, voilà. Je vous remercie Bernard. De rien. Un petit mot d'encouragement pour notre petite chaîne locale. Ah ben, c'est la chaîne ULA. Exactement. Ouais, elle a l'air très sympa. Libre. Urbain, tout ce qui est libre, c'est très bien. Voilà. Je vous remercie, Dana. De rien. À très bientôt. À bientôt. Bonne continuation. De rien. Merci.